Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Mon cher Sterling, je te propose d'appeler cette dame illico presto. Et attendez, je vais le faire effectivement maintenant. Oui, venez, 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 sortons de ce trou à rats. C'est exactement le terme que j'allais employer, mon cher Cooper. Je la joue comment Vous la jouez, vous la jouez, vous la jouez, Phil. Ce numéro est déjà occupé. Elle doit être au téléphone, en train sûrement de racoler telle une catin, mon cher Sterling. Hein. Je ne dirai pas plus, mais je le pense. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Numéro occupé, ah bah oui, ça doit raconter, ça doit batifoler au téléphone. Ça, je vous le dis avec... Ça batifole, ça batifole. Vous avez eu des nouvelles de votre nièce? Non, j'ai pas de nouvelles. Elle m'a pas rappelé, je sais pas, je pense que tout va bien. Elle est grande, elle sait se débrouiller. Ça décroche pas, c'est toujours ce numéro et des jokes. Attendez un petit peu, Sterling. C'est peut-être une grande conversation qu'elle a. À part de parler de rouge à lèvres et de perruques, hein, je vois pas de... Oui, je vois pas non plus, Sterling. Oui, madame Harley. Oui, bonjour. Sterling, maître Cooper au téléphone. Est-ce que nous pourrions nous rencontrer afin d'avoir un petit rendez-vous informel, madame? Là, vous êtes en rendez-vous actuellement. Vous êtes en rendez-vous à quel endroit, madame Harley? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'entends bien, j'entends bien. Et vous êtes où exactement, madame? Est-ce que vous êtes où là, madame, à peu près? Une entreprise. Quel est le nom de cette entreprise, madame? 15 minutes. Donnez-moi un endroit et on s'y rend immédiatement. Oui, très bien, madame. On fait comme ça. Vous avez un cabinet, madame? On peut se rencontrer à votre cabinet, peut-être. Voilà, et vous m'enverrez l'adresse de votre cabinet. Sur mon téléphone, vous l'envoyez. D'accord, dans message ou par mail? Par message, d'accord, c'est noté. Eh ben, on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de minutes, madame. Très bien, je vous remercie. Mon cher Sterling, alors? On a rendez-vous avec elle d'ici 15 minutes. Elle va nous envoyer ses locaux. Ah, elle a essayé de m'appeler, j'ai raccroché, Sterling. Bien joué. Elle mérite pas mon appel. Elle mérite. Oh, bon appétit. Bon, dites-moi exactement ce qui s'est passé. À quel moment? À tout le moment. Je suis arrivé dans cette ville, on m'a mis dans un coffre. Non, comment c'est juste ça avec l'avocate? Ah oui. Ah oui, non. Eh bien, avec l'avocate, je lui ai dit bonjour, je suis Martin Sterling. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Elle m'a dit, je suis en rendez-vous. Je lui ai demandé où ça le rendez-vous. Elle m'a dit, je suis dans un autre. Je lui ai demandé où c'est l'entreprise. Elle m'a dit, je peux pas vous le dire, c'est mon métier. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit, il faut qu'on se voit, madame, pour qu'on discute de manière informelle, etc. Elle m'a dit oui, bien sûr. Et je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Elle m'a dit, dans un endroit. Et je lui ai dit, mais quel était cet endroit? Elle n'a pas voulu me répondre. Donc, elle était final, sûrement, elle... si je puis me permettre, sous le bureau du procureur. Oui, oui, certainement, elle suçait le barreau de la justice. Sterling, ça c'est bien dit, Sterling, ça c'est bien dit. Oui. Au bout d'un moment, faut pas se laisser faire. Et par contre, croyez-moi, mon cher Cooper. Oui, dis-moi, Sterling. Je n'irai pas avec le dos de la cuillère avec. Ce n'est pas parce que c'est une dame que j'irai avec le dos de la cuillère. Voilà. Nous irons avec le dos de la loi, Sterling. Nous irons avec. Oh, c'est très bien dit. Bon, dans combien de temps elle vous donne l'emplacement? Elle m'a dit un quart d'heure. Je peux la rappeler. Hein. Vous voulez que je la presse un peu, peut-être? Oui, pressez-la, Sterling. Allez, on va la presser. Je pose ma manette. Oui, bonjour, madame Arnais. C'est Sterling Cooper au téléphone. Voilà, je vous appelle, ça serait pour qu'on ait un petit rendez-vous informel, madame. Oui, tout à fait, je vous ai appelé pour ça, et c'était pour savoir où est-ce que vous étiez. Vous finissez votre rendez-vous, et ça a lieu où, votre rendez-vous, madame? Voilà, vous m'envoyez la localisation de votre cabinet, et on vous attend d'ici 5 minutes, d'accord? Super, allez, à tout de suite. Je sais pas pourquoi elle bloque sur le fait de pas vouloir me dire où est-ce qu'elle est. Non, mais pas... Le barreau de la justice, termine, le barreau de la justice. Je ne comprends pas, ça a l'air de l'énerver. Oui, mais le barreau de la justice, encore une fois, hein. Je pense qu'elle n'est pas prête à ce rendez-vous, monsieur Sterling. Vous voulez mon ami, mon cher Cooper? Je pense que vous devriez l'appeler pour savoir où est-ce qu'elle est. Vous pensez, mon cher Sterling? Oui. Attends, laissez-moi poser la tâche caisse. Oui, je vous l'espère. Vous êtes-vous présenté, monsieur Cooper? Monsieur oui, Sterling? Oui, je me suis présenté à elle. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Ici Sterling et Cooper, je suis Cooper, madame. D'accord. Je vous appelle pour avoir un rendez-vous informel entre nous. Mais c'est... Dites-moi tout, madame. Oh, je suis désolée. Non, ne soyez pas désolée, madame. Ne soyez pas désolée. Là, je suis en train de finir mon rendez-vous. Oui, où est votre rendez-vous, madame? Nous arrivons. Où est votre rendez-vous? Nous arrivons.
Monsieur, enfin, on ne se connaît pas, je suis une avocate indépendante, j'ai pas à vous dire... Oui, nous sommes avocats aussi, nous sommes auxiliaires de justice, madame. Super. Il faut parler maintenant, madame. Il faut parler, il faut que vous me dites où vous êtes, sinon on peut pas se voir, madame. Je vous envoie sur mon GPS, d'accord? À tout de suite. Enfin, voilà. Nous arrivons. Super. Elle est très bizarre, cette dame, elle est très bizarre. Je pense qu'elle travaille dans l'illégalité, mon cher Cooper. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'illégal. Je pense qu'il faut qu'on enquête sur cette dame. Je pense qu'on va... Nous allons enquêter, mon Cooper. Nous allons enquêter, mon Sterling. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, Cooper, vous savez faire des filatures? Oui, bah, bien sûr, mon Sterling. On va la filater. Nous allons la filater, mais avant ça, j'attends sa position. Peut-être devriez-vous l'appeler. Oui, bien évidemment, Cooper, très bonne idée. Appelez-la. Oui, bonjour, madame Harley. Je suis Sterling Cooper, je suis Marty Cooper. Ah bah non, je suis... Mais c'est pas ça. Attendez, je raccroche. Je suis trompé, Cooper. Il faut que tu arrêtes de tromper. Tu n'y arrives toujours pas, Oui, je la rappelle. Tu es Marty Sterling. Oui, Marty Sterling, voilà, j'arrête. Il n'y arrive toujours pas. Allons à l'unicorne. Oui, tout à fait. Rappelez-la, Sterling. Non, mais elle répond pas, mon cher Cooper. Non, mais rappelez-la. Ça arrive. Peut-être le téléphone en silencieux. Peut-être l'avait-on oui, excusez-moi du dérangement, maître Arnay. Ici Marty Sterling, du bureau d'avocats Sterling et Cooper. Je vous appelle afin d'avoir des nouvelles par rapport... Oui, mais c'est pour avoir des nouvelles, pour le rendez-vous informel, afin qu'on puisse se rencontrer, madame. Vous êtes où, là? Vous êtes où, ça? Vous changez où, madame? Vous portez quoi, madame? Il faut répondre à la justice, madame. Bougez pas, Sterling, je m'en occupe, je vais l'appeler. Oui. Allô, elle a dit qu'elle voulait changer et elle m'a pas dit ce qu'elle portait. Mais attendez, je l'appelle. Oui, ça m'intrigue cette histoire. Allô? Oui, allô madame, ici Rick Cooper. Et Rick vous Cooper comptez... non, du cabinet vous Sterling vous et Cooper, madame. Monsieur, vous comptez m'appeler à la chaîne là ou ça se passe comment? Comment ça, madame? Vous venez de m'appeler. Ah non, je ne vous ai pas appelé, moi, madame. Je vous ai non, appelé tout à l'heure. Ça fait 30 minutes là que vous m'harcelez. J'arrive. Madame, je ne vous harcèle pas, nous connaissons la loi. Si, là c'est. Dites-moi où vous êtes. Nous arrivons, nous venons là. Oui, pour un rendez-vous informel. Exactement, madame. Super. Dites-moi où vous êtes. Je vous envoie la localisation maintenant, là, tout de suite. Oui, oh. Super. À tout de suite. Très belle femme. Très belle femme. Très, très belle. Allez, venez, Sterling. Elle vous a répondu quoi? Vous devriez l'appeler. Elle m'a dit qu'elle envoie ça tout de suite, mais on est tout de suite et j'ai rien reçu. J'ai rien reçu également. Ouh là là, dis donc. Tire au toto. Allez, venez, Sterling. Ah, j'ai reçu un message. Ah, on va devoir y retourner. Bonjour, messieurs, dames. Et bonsoir, messieurs. En vous yo les refs. Bonjour. Ouais. Nous ne sommes pas frères, madame. C'est pour un coup ou quoi? Ah, nous ne pouvons pas tout de suite, madame. Mais en tout cas, nous revenons juste après. La loi nous appelle, madame. Bon courage, hein. Ben merci à vous. Et bon courage, les milliers justiciers. Passez une bonne soirée. Vous êtes très aimable. Un garçon ou une fille? Je ne sais pas, Sterling. Nous sommes en 2021, je ne juge pas. Personne n'est là pour... Ah, tu as l'adresse, d'accord. Oui, j'ai l'adresse, Sterling. J'espère qu'elle ne nous prend pas pour des girouettes. Excuse-moi, Sterling, de ces propos. J'y vais peut-être un peu fort, mais il faut le dire. Il n'y a pas de mal, au bout d'un moment, quand même, il faut savoir. On nous prend pour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été flashé, Sterling, putain. J'ai été flashé. Mais c'est pas possible. On connaît la loi. On connaît la loi. Comment ça me coûtait cher, Sterling? Bon, ça m'a coûté le prix d'une canette, je m'en remettrai. Oui, bah ça va. Est-ce que nous lui parlons en sachant que nous connaissons la loi et que nous savons qu'il a fait de l'illégal? Ou nous l'écoutons d'abord? Écoute, Sterling. Oui, il faut avoir une stratégie. Écoute, nous allons faire ce qu'on a appris en grande école, Sterling. Et ce que je t'ai appris, toi qui n'as pas été en grande école. Nous allons la laisser parler. Nous lui donnons toujours l'occasion de croire qu'elle est supérieure. D'accord? Bien vu. Et c'est comme ça qu'elle va se confier. Tu vois ce que je veux dire, mon petit Sterling? Me plaît, notre plan machiavélique me plaît. Je ne sais pas si c'est le plan Sterling, mais bon, ça fera la fin. On connaît la loi, on a le droit de s'asseoir sur la bière. Tu l'as, tu t'as ta mallette. Oui, je l'ai. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, Nous souhaitons parler à l'avocate madame Harley, madame. C'est moi. Oh, je serais toujours surpris, dites donc. Oh bah non, oui, en effet. Vous êtes très grande. Bon, pouvons-nous nous asseoir dans un endroit un peu plus agréable? Y a pas de souci. Bonjour madame, bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Je ne sais pas où m'asseoir, madame. Je... C'est où vous voulez. Je ne veux pas m'asseoir, je préfère rester. Ah oui, d'accord. Écoutez, je ne veux pas m'asseoir. Bon, madame, discutons très sérieusement. Nous avons malheureusement très mal commencé à discuter tous ensemble. Nous ne sommes pas partis sur des bons pieds de chaise. Des bons pieds de chaise, exactement, Sterling. Je pense que les mots sont durs, mais les mots sont quand même les mots. Ils sont justes. Ils sont justes, c'est la loi. Comment allez-vous tout d'abord? Eh bien, écoutez... mieux que quand on m'a dit comme quoi j'étais une avocate commis d'office. Mais qui a osé vous dire ça, madame? Qui a dit ça, madame? Qui a osé dire ça? Qui a osé dire ça, madame? Est-ce que je peux fumer dans votre bâtisse? S'il vous plaît. Très bien, je me permets d'allumer une clopinette. Madame, est-ce la loi qui a parlé ou est-ce de vulgaires hommes? Bah, à vous de me dire. Mais je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Vous êtes avocat commis d'office, madame? Pas du tout. Dans ces cas-là, c'est la loi qui a parlé. Bon, nous avons mal commencé, madame, et je sais que vous nous détestez. Non,
pas du tout. Faut pas nous détester. Il faut pas nous détester, nous connaissons la loi. Même s'il est vrai qu'il y a des rumeurs qui circulent sur vous, et nous ne les écoutons pas, et au même titre, n'écoutez pas les rumeurs qui puissent y avoir sur vous, les a priori, madame. Sachez que la loi, c'est la loi, et nous fermerons les yeux sur toutes les rumeurs qui circulent sur vous actuellement en ville. Sachez-le, madame. Mais j'aimerais que nous entretenions de très bonnes... C'est pas facile à dire, Stanley, mais que nous entretenions de très bonnes relations. Je peux vous poser une question? Une seule. Super. Est-ce que, selon vous, ça fait de moi une mauvaise avocate, les rumeurs qui tournent sur moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seule la loi. Est-ce que vous connaissez la loi, madame? Ah oui. Et est-ce que la loi vous connaît, madame? Je ne sais pas. Et c'est ça qui fera la différence. C'est ce petit truc qui fera de vous une très grande avocate ou une avocate banale. Comment, madame, on veut vous écouter. Expliquez-nous votre processus d'avocat. Comment ça a commencé? Quel est votre parcours, madame? Parlez-vous de nous. Nous souhaitons vous connaître afin de mieux savoir vous connaître. Ça n'a rien... Enfin, ce que vous êtes en train de me dire, ça n'a aucun rapport. Non, nous voulons... Dites-nous tout, on veut connaître votre parcours, madame. Non mais d'accord, mais vous êtes avocat? Oui, Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, nous connaissons la loi, madame. C'est pas possible, c'est une caméra cachée. Y a pas de caméra, madame, ici, y a que la loi. La loi. Non, vraiment, je peux pas. Vous avez un cendrier, madame? Tout à fait. Donnez-lui un cendrier, s'il vous plaît, madame. Vous avez un cendrier, oui, parce que je voudrais pas mettre sur votre belle moquette. Ce n'est pas drôle, madame, hein. C'est une belle moquette, je voudrais pas l'abîmer non plus. Vous avez mon rédime. Elle la porte de loin. Merci, c'est très aimable à vous, madame. Donc, madame, dites-nous tout. Vous travaillez en tant qu'avocat depuis combien de temps, madame? Ça fait un an maintenant. Un an? Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette belle cité de Los Santos? Ça fait... 2 mois. 2 mois? Ah, oh, d'accord. 1 mois. Donc, vous avez jamais exercé le métier d'avocat avant? En fait, j'avais exercé dans un autre cabinet, mais auparavant, j'étais stagiaire en fin d'études. D'accord. Madame, laissez-nous, étant expérimenté, ayant pris Sterling sous mes airs et regardé le bel homme que c'est maintenant, laissez-moi vous poser une... Il est un peu chaud. Attendez, monsieur Sterling. Vous êtes non, en train de dire... Attendez. Non, mais monsieur Sterling, calmez-vous, je sais que ça vous irrite. Parce que, excusez-moi. Criez pas. Ce n'est pas un critère de beauté. C'était pas ça? Oui, d'accord. Mais ce n'est pas un critère de beauté, ma chauvance, madame. Sachez qu'un pubis rasé est tout à fait plaisant. Écoutez-le, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Sterling. Oui. Non, mais c'est une métaphore. Un pubis rasé est bien plus attrayant qu'une forêt noire. Voilà. Donc, c'en est pareil pour les crânes. Non, mais en fait, je parlais surtout que vous devez avoir beaucoup d'expérience, étant donné que généralement, quand on perd ses cheveux, c'est à cause du stress. Donc. Perds pas mes cheveux, madame. Il a de très beaux cheveux. Est-ce que vous connaissez Bruce Willis? Voilà. Eh ben, il a les cheveux de Bruce Willis. Voilà, sachez-le. Il a de très beaux cheveux. Bon, madame. Sinon, vous m'avez dit hier. Au commissariat, comme quoi vous ne faisiez pas partie du barreau, mais du gros barreau. Oui, nous sommes avocats au gros barreau, madame. Nous sommes avocats au gros barreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Au gros barreau de la justice, madame. Le barreau de la justice, madame. Non. Est-ce que vous voulez plus de détails sur le barreau de la justice, madame? Je connais le barreau de la justice, mais nous ne sommes pas étonnés que vous connaissez le barreau de la justice, mais nous y travaillons, bien évidemment, étroitement. Nous ne jugeons pas pour cela. J'aimerais une réponse. Quel âge avez-vous, madame? J'ai 23 ans. Très bien. Attends, 23 ans, un mois de... D'accord. Bah dis donc, vous êtes précoce. Oui. Mais pas dans tous les sens du terme, reconcentrons-nous. Non, mais vous restez tout de même précoce face aux études. Voilà, vous êtes une belle avocate en devenir. Tout à fait, merci beaucoup. Madame. C'est vrai que vous êtes belle. Voilà. Ceci étant dit, voilà, je le dis en toute objectivité, bien sûr, je suis professionnel. Bien sûr, avocat au gros barreau. Madame, le procureur, que vous procure-t-il? Allez, attendez, madame. Oui, ma petite fille, comment vas-tu? Salut tonton, ça va? Oui, ça va ou pas? Ouais, ça va, je me suis, on va dire, reposé un peu ce week-end. D'accord, tu t'es reposé, bah t'étais bien reposé ou pas? Ouais, ça va, j'ai perdu mon bébé, donc ça a été assez perdu. Oh non, il faut qu'on se voit. Ouais, bah écoute, tu viens me chercher, je t'envoie une position. Je finis avec une avocate bas de gamme, et puis je suis à toi, d'accord? D'accord, éclate-lui sa race. Oui, et d'ailleurs, tu veux pas tuer le procureur? Bah si, pourquoi pas, à vrai dire. Nous en parlerons plus tard, à tout à l'heure en tout cas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On continuera la conversation quand mon collègue sera de nouveau. Excusez-moi, c'était ma petite nièce, elle est adorable. Elle va bien d'ailleurs, elle va bien. Oui, elle va peut-être tuer le procureur, mais bon, ça reste entre vous et moi. Donc, continuons. Voilà, alors dites-nous tout, madame.
Par rapport au procureur, que vous procure le procureur, madame? Il a part du plaisir. Madame, si je... Si... Non, mais on parle du barreau de la justice, madame. Attendez, pardon. Non, le plaisir de discutailler, mais n'oubliez pas une chose, madame. C'est que c'est le procureur. Le procureur étant l'ennemi des avocats, madame. Est-ce que vous avez conscience de cela? Ah, parce que c'est l'ennemi des avocats. Et donc, entretenir... Non, comment madame. Entretenir une relation, madame, vous êtes avocate, ne me faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous connaissons la justice, nous sommes avocats au Robaron, madame. Et donc, à entretenir des petites relations... En sous-marin, Sterling, je pense que c'est les termes. Oui, le sous-marin est un terme. Le sous-marin, c'est gros. Oh, d'accord, je vois où est-ce que vous voulez en venir. Ok. On va en venir où, madame? Dites-nous tout. Je pense que ma vie amoureuse ne regarde absolument pas mon travail et ne m'empêchera pas de bien faire celui-ci. La justice parle autrement, madame. Oui. La justice n'a pas le même langage que vous, madame. Oui. Il faut bien parler quand même à la justice. Il me semble que je parle bien. Respectez la justice. Oui, madame. Vous êtes énervé contre la justice et on peut comprendre. La justice aussi est énervée contre vous. Il y a pas de la haine envers la justice n'amènera pas la paix dans votre intérieur. Est-ce que vous savez ce qu'on dit, madame? Dites-moi. Non, dites-moi. C'est à vous de me dire. On vous écoute. Bah non, c'est à vous. Non, vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Madame. Si vous êtes avocate, vous nous le dites. Mais de quoi vous parlez là? Vous voyez, Sterling. On le sait, madame. Non, mais vous savez quoi, madame? Si vous saviez ce qu'on. Écoutez, madame, de toute évidence, je pense que vous êtes égarée dans cette jungle de lois. Et vous savez, une belle femme comme vous aura un choix dans la vie. Soit travailler convenablement et bien comme vous le faites, parce que vous êtes une très belle avocate en devenir, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Soit suivre des gens tels que des procureurs qui ont un ego surdimensionné. Des arrivistes. Vous voyez ça, madame? Non mais regardez, est-ce que vous voyez, madame? Vous voyez c'est quoi ça, madame? Ça c'est l'ego, ça. Ça c'est l'ego, ça, surdimensionné. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes pris la tête avec lui? On ne s'est pas pris la tête avec lui, on ne se prend pas la tête avec la loi. Nous sommes des avocats, personne ne nous prend la tête, madame. Vous voulez que je devienne votre psy et que vous me racontiez ce qui s'est passé? Non, madame. Eh bien dans ce cas-là, changeons de sujet et parlons de notre vrai métier et pas forcément par le biais du procureur. Et justement, madame, vous savez, entre arpenter le barreau et cirer le barreau, il y a une différence, madame. Bon. Vous savez, madame, qu'est-ce que vous pensez du conflit d'intérêts? Entre quoi et quoi? C'est une longue clope, Sterling. Oui, je la savoure, mon cher. Savourez-la, soufflez pas trop fort. Donc, le conflit d'intérêts, madame. Pouvez-vous citer l'article du conflit d'intérêts? Concernant les avocats et le procureur. Non, mais... Je voudrais pas. Particulièrement quand il y a un procureur mâle et une avocate femelle, madame. Non, alors là, c'est trop. Pour être non faux, il faut ce qu'il faut. Je crois qu'elle va appeler le procureur. Sortez de mon appartement, s'il vous plaît. Nous sors pas, je fume. Laissez-le finir sa clope, d'accord? Écoutez, c'est une cigarette, ça fait 40 minutes qu'elle a commencé. Madame, si vous tenez à votre moquette, laissez-le finir sa clope. Et nous sortons juste après. Prenez votre temps, Sterling, prenez votre temps. Je prends mon temps, je la sème. Une belle cigarette, ça, en plus. Hein. Mais sérieusement, madame, pourquoi vous faites ça? La vraie question, c'est pourquoi vous faites ça? Parce que, madame, nous avons peur, madame. Connaissez-vous le conseil des avocats, madame? Vous vous prétendez avocat, vous dénigrez les avocats qui sont autour de vous. Pardon? Ensuite, vous dénigrez. Non, madame. Pas forcément autour de moi. Vous m'avez moi-même dénigré. Non, je ne vous ai pas dénigré. Ensuite, vous avez ma relation avec le procureur, qui ne vous concerne en aucun cas du moment que je fais mon boulot comme il faut, et dans tous les cas, ça ne vous regarde pas. Et de plus, vous racontez des choses qui ont ni queue ni tête dans mon cabinet. Est-ce que il vous prend le barreau, madame? Ah, monsieur, ça suffit. Non, non, mais le barreau de la justice, madame, s'il vous plaît. Non, je peux pas. Madame, cirez-vous le barreau de la justice, madame, quand vous êtes avec nous. Non, mais dites-nous tout. Je vais accompagner à la sortie. On connaît la sortie. Je pense que cette dame connaît bien le barreau, mais pas de la justice. Je pense que vous utilisez votre charme contre la loi, madame. Oui. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, c'est madame. C'est toujours mieux que d'utiliser sa connerie. Au revoir, messieurs. Madame, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous réagissez très mal, madame. Elle a un string. Oui. De toute évidence, on va s'occuper d'elle. Oui, on va pas laisser cette chose-là nous mettre des paniers dans les roues. Oui, j'ai une bonne nièce. Waouh! La loi est puissante! Mais dis donc, la loi est très très forte! J'ai cassé ta portière. Je vais voir dans la boîte à gants. La loi est forte. Je vais voir dans la boîte à gants s'il n'y a pas un doliprane. Oui. Rappelez-la et dites-lui que la loi aimerait rediscuter avec elle un peu plus tard. Comme ça, on va la maintenir parmi nous. Vous avez entendu, Sterling? Oui, je m'en occupe immédiatement. Immédiatement, Sterling. Oh, je me suis encore fait flasher. Putain, ça commence à faire. Décidément, deux canettes de coups. Mais oui, c'est une autre canette qui est partie là. Je rappelle dans deux. Bon, rappelez tout de suite. Elle est sûrement au téléphone avec le procureur. Je m'exécute, Cooper. Exécutez-vous. Ça répond pas, mon cher Cooper. Essayez peut-être vous de l'appeler. Je vais essayer. Bougez pas.
Je crois que c'est là. Ah bah dites donc, elle est là. Il y a ta nièce, il y a ta nièce. Oh bah elle est toute belle. Ah excuse-moi, il y a mon oncle. Attendez, attendez, j'arrive les tontons. Oui, oui, bien. Comment ça les tontons? Oui, je suis un tonton adoptif, mon cher. Non, tu n'es pas un tonton adoptif. Et en gros, il voulait échanger... Ne la dérangeons pas, ne la le dérangeons. Bébé que j'ai dans mon ventre. Oui, attends, j'ai entendu échanger le bébé dans le ventre. Oui, c'est rien, c'est des histoires de grands coups. Ça se vend combien un bébé sur le marché? Je sais pas, je n'en vends pas, je n'en ai pas à vendre. Bon, quel est ton plan? Quel est le plan que tu as en tête, mon cher Cooper? Faire séquestrer l'avocate et soutirer des informations. Je pense que c'est une bonne solution et la loi fera son boulot. Non mais vous savez ce qu'on dit, Cooper. Des fois la loi elle fait son boulot. Une bonne femme. Il faut lui mettre une petite claque dans les fesses pour qu'elle vous crache la vérité. Elle ne décroche pas. Je pense qu'elle nous a bloqué, Cooper. La loi va se charger du reste. Oui, on va la débloquer. J'ai rien choisi. Mon petit défi, camion. Attends, Red, t'es le premier à m'avoir dit que t'aimais les hommes qui traitaient les femmes correctement. Alors prends ton prêtre entre les deux yeux et parle-lui. C'est pas le biker. Oui, ce fils de pute. Bonjour, tonton, ça va? Comment ça va, ma petite défi? Ouais, bah écoute, on a connu des jours meilleurs. Bon, est-ce qu'on peut discuter ailleurs que derrière un camion? Oui, bah oui. Vous avez votre voiture? Oui. Oui, elle est bien, ma petite défi. Bon, ma petite défi, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Pas grand-chose, à vrai dire. Eh ben, on a des choses. Et nous avons des choses. Est-ce que tu peux faire respecter la loi? Bien sûr. Est-ce que tu peux être au service de la loi, ma jeune? Bah, je le suis indirectement, quand même, avec ma révolution, non? Est-ce que tu veux pas aller dans le coffre pour pas te faire repérer? Oh, je les emmerde. D'accord. Ouais, non. Range ta épée, s'il te plaît, c'est une grenade. Ah non, il faut pas. On te propose une petite chose que tu devrais aimer au nom de la révolution, etc., etc. Il s'agirait d'intercepter, si je peux me permettre, dans les termes de la loi, une personne et de la mettre dans un endroit particulier, vois-tu. Et de lui mettre un petit coup de pression, tu vois ou pas, ma petite défi? Oui, un coup de pression de type amical, mais pas trop. Et pour quelle raison? Ouais, parce que c'est la loi qui te demande. C'est la loi qui le demande. C'est une concurrente à ton tonton. À tes tontons. Et d'ailleurs, c'est la petite copine du procureur. Voilà. Est-ce d'accord, que ça t'intéresse un peu de, plus? Je lui mets un coup de pression et je lui dis de démissionner. Oh, tu lui dis de larguer déjà son procureur et qu'elle n'entretienne plus de relations avec lui. Et ensuite, si elle veut démissionner, pourquoi pas? Que nous, on pourra observer la scène en étant déguisé un peu. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Harley. Quoi? Oui. Quoi? C'est qui cette nana? C'est une avocate? Oui, ma jeune épée. Ok, et qu'est-ce qu'il a? Elle est complètement conne? Oui, aussi. Donnez-moi des raisons, bah, je vais le faire dans tous les cas, mais donnez-moi des choses qui vous éloignent de cet acte et pourquoi je le ferai. Alors, en gros, elle sort, elle fait copinage avec le procureur. Le procureur nous parle très très mal et se prend au-dessus, des lois. Il fait son petit seigneur. Seigneur, et d'ailleurs le président est d'accord avec nous. Le procureur va se faire, alpaguer. Et tirer les oreilles. Voilà. Et il s'avère que elle est en copinage et sort avec le procureur, d'accord? Conflit d'intérêt envers les clients de cette ville et les citoyens de cette ville. Elle se prend un petit peu pour une petite princesse, si tu vois ce que je veux dire. Et autre point... Ouais, mais le problème, c'est que je sais très bien comment ça se passe. Je kidnappe la femme du procureur, il va vouloir faire son Superman. On s'en occupe. On lui mettra des roues dans les bâtons. Très bien, il va être en mode personne ne touche à ma femme et ça va me faire chier, je vais devoir lui arracher les dents, bref. Eh ben, c'est pas ce que tu voulais, ma petite effie. Si, mort au gouvernement, tonton. Et ben voilà. On te laisse la mort. Nous rejoignons ta cause pendant un moment. Voilà, tant que tu ne souhaites pas la mort à la justice, effie. Nous t'aiderons. Ça, c'est pour le bien de la justice, tout ça, Effie. Parce que. Et d'ailleurs, ma petite Effie, vu que je tiens à toi, je pense que tu peux envoyer 2-3 bras à toi. Je ferai ça demain, je suis toute seule ce soir. Tu fais ça quand tu veux. On sera là demain, nous aussi. Ok. Est-ce que tu veux son numéro? Ouais, je veux bien. Nous savons tout. Nous savons où elle travaille, nous savons où elle loge, nous savons tout. Et nous savons où elle loge. D'ailleurs, j'aurais dû te lui montrer. Donne-lui le numéro, s'il te plaît, Sterling. C'est quoi tes problèmes, ma petite Effie, au fait? Je pense que toi et moi, on devait discuter. Bah, rien n'a changé depuis, hein. Disons juste que. Bah, il y a quand même un bébé en moins dans l'histoire. 8770, c'est le nom de la dame, ma jeune épée. C'est bon, je l'ai appelé Harley Latte. Voilà. Oui, ça, c'est... C'est pas mal. On prend. Donc, est-ce que tu veux qu'on aille dans un endroit un petit peu plus calme? Ouais, je veux bien. Bah, vas-y, mets-le. T'es quand même content de revoir ton tonton? Ah oui, ça me fait du bien de revoir un peu. Allez, allons décompresser.